Les vainqueurs.
Vous n'êtes pas venu dans cette réunion en vain.
Parce que vous croyez que malgré toutes ces situations, mais tu as un Dieu qui peut te faire des grandes choses. Je t'exhorte à toi qui souffre et persévérer. Parce qu'il y a un salaire pour ton travail. Il y a une rémunération pour tout ce que tu fais. C'est pourquoi ne sois pas découragé. La Bible a dit que le Seigneur est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Il n'est pas ingrat pour oublier ton travail. Il n'est pas ingrat pour oublier tout ce que tu as fait pour son nom. Ne compte pas sur un homme. Ne compte pas sur les principautés d'aujourd'hui. Parce qu'ils ne peuvent rien pour toi. Je ne dis pas seulement les principautés pour notre pays, mais même ceux du monde entier. Parce que ta foi doit reposer sur Jésus-Christ. Parce que les hommes te soivent, bien-aimés. Il ne faut pas mettre ton espoir dans les hommes. Les hommes sont de la poussière. La Bible dit, ne vous confiez pas aux grands. Aux grands qui ne peuvent sauver. Et dans les narines duquel il n'y a que des souffles. Mais on dit heureux celui qui a pour secours les dieux de Jacob. Et qui met son espérance à l'Éternel son Dieu. On dit ne comptez pas sur les grands, mais comptez sur l'Éternel. Parce que l'Éternel qui est ton Dieu, Dieu c'est celui qu'on adore. Si tu reconnais que ton secours c'est celui que tu adores, c'est alors tu dois donner plus d'importance au culte. Tu dois donner l'importance au culte. Parce que c'est Dieu qui vient, le Dieu que tu es venu prier. C'est lui qui est le soutien de ta vie. En dehors de lui, il n'y a personne. Il n'y a personne comme lui. C'est lui qui peut te faire du bien. Là où les gens te maudissent, lui te bénit. Là où les gens parlent en mal de toi, lui dit sans effet à toutes ses paroles. Ce n'est pas parce que tu es joli de visage ou parce que tu es intelligent d'esprit. Non, c'est parce que lui, le Seigneur, t'aime et t'a aimé avant même la fondation du monde. Vraiment, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Nous allons prendre nos textes. Nous signalons que le volume est très élevé avec des échos. Nous prenons Zacharie chapitre 4.
Nous lisons à partir du verset 1er au nom de Jésus-Christ. Vous êtes avec nous? Vous êtes avec nous? Ici n'est pas un lieu de deuil. Amen. L'ange qui parlait avec moi revint. Et il me réveilla comme un homme réveille, que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde, et voici il y a un chandelier tout d'or. Surmonté d'un vase et portant cette lampe. Avec cette conduite pour les lampes qui sont au milieu du chandelier. Le verset 4, et reprena la parole, Zacharie reprena la parole. Oui, abandeli sou maloba, jisou maloba. J'ai dit à l'ange qui parlait avec moi. Nalobi, na mouange, abane koloba nangai. Qu'est-ce que signifie ces choses, mon Seigneur? Makamboyo elaki sini nkolo nangai. L'ange qui parlait avec moi me répondit. Mouange, abane koloba nangai, ayanoli ngai. Ne sais-tu pas ce que signifie ces choses? Yo yebite, makambo, soke ni koloba nini? J'ai dit non, mon Seigneur. Ebisye ete te nkolo nangai. Alors il reprit et me dit. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Awa ezali liloba oyo Nzambe azoloba na Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force. Ezali na nguya te pe na makasi te. Mais c'est pas mon esprit, dit l'Éternel. Kasi ezali nde na nzela molimo na ngai boye lobi Yahweh. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient les jours de faible commencement se réjouiront en voyant les niveaux dans la main de Zorobabel. Nous prenons encore Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3. Le verset 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car voici pour ce qui y est de la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a sept yeux sur cette seule pierre. Voici, j'ai graverai moi-même ce qui doit y être gravé. Ce qui doit, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé. Et j'enlève, dit l'Éternel des armées, j'enlèverai l'iniquité de ces peuples en un jour. Nous prenons Tite chapitre 2. Le verset 1er.
On dit, pour toi, dites les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Parole du Seigneur. Ah. Le Seigneur Jésus-Christ bénisse la lecture. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse la lecture que nous venons de faire. Je répète encore que nous sommes des gens heureux. Et le Seigneur a permis que nous puissions nous approcher de lui. Et venir écouter l'enseignement ce soir. Il y a des gens qui se sont rassemblés comme nous aussi ce soir. Mais autour des choses qui n'édifient pas. Autour des choses qui n'amèneront jamais au ciel. Autour d'une espérance qui est vaine. Mais le Seigneur nous a réunis autour de sa parole. Et je crois que c'est pour devenir meilleur. C'est pour que ta vie parvienne à la perfection. Comme le frère Paul lui-même disait, il dit, nous tous qui avons le visage découvert, nous regardons comme dans un miroir la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Par l'Esprit de Dieu. Donc il y a un miroir. Il y a la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et ce miroir n'est que la parole de Dieu. Il y a la gloire de Christ et l'évangile éternel. Et lorsque le Seigneur ôte l'incrédulité en toi, qui est comme le voile qui couvrait ton visage, et toi tu regardes dans le miroir. Et en regardant dans le miroir, et tu es influencé au visage ou à la gloire qui est dans le miroir. Et c'est ce que nous appelons la parole ou venir écouter la parole de Dieu. On avait dit que si tu veux que ta vie change, si tu veux qu'une faiblesse te quitte, applique-toi beaucoup et écouter la parole de Dieu. Venir écouter la parole du Seigneur. Alors tu seras changé en cette image. Tu deviendras parfait. Tu deviendras une sœur parfaite. Pour aller à la rencontre du Seigneur. Parce que sans la perfection, il n'y a pas de rencontre avec Dieu. Il n'y a pas de rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur a créé la femme Ève pour Adam, il y a trop d'écho. Disposé avec notre micro. Et le bénévole soit là et va être là.
Je dis quand le Seigneur a créé la femme, le Seigneur ne l'avait pas créé une fillette. Le Seigneur ne l'avait pas créé une adolescente. Suivez-nous ici. Ne prêtez pas attention aux caprices des instruments. Je dis qu'il ne l'avait pas créé comme une fillette. Vous sentez qu'il y a un besoin d'acheter les instruments à l'église. Cela ne veut pas seulement dire qu'on est en train de nous en sortir. Qu'on est en train de faire des enchantements contre les instruments. Mais ce sont des choses matérielles. Coûte que coûte, ça doit s'abîmer. Ça doit se détériorer. Et c'est ça la loi que le Seigneur a donnée sous le soleil. Pour tout ce qui est matériel, la loi de la péremption et nos instruments déjà vieillis. On devra s'apprêter aussi à faire les collectes d'instruments. Pour toi qui es de bonne foi, ou qui est touché, tu peux les acheter même toi-même. Et le Seigneur n'oubliera pas tes bonnes œuvres. Parce que tu ne travailles pas pour un homme. Tu travailles pour le Seigneur lui-même. Amen. J'avais dit quand le Seigneur a créé Ève. Elle ne fut pas créée une adolescente, non. Mais le Seigneur l'avait créée une femme mature. Parce que le Seigneur l'avait créée pour le mariage. Et même aussi l'église du Seigneur. Non, parce qu'il s'agit des noces de l'agneau. Donc l'église doit parvenir à la perfection. L'église va devenir une femme mature. Prête pour les mariages. Quand nous parlons de la maturité ici, les gens qui sont affermis dans la parole de Dieu. Nous ne parlons pas de la maturité d'abord charnelle. Mais nous parlons de l'Église qui est parvenue dans la dimension de discerner ce qui est bien et mal. Et cela se fait en écoutant la parole. Il est écrit dans les livres des Cantiques et Cantiques. Nous avons notre petite sœur qui n'a pas de mamelle. Que ferons-nous lorsqu'on viendra la chercher? Que ferons-nous lorsqu'on viendra la chercher? C'est-à-dire le mariage n'est pas pour les petites filles. Non, c'est pour les femmes matures. Amen. C'est pourquoi l'Église, étant une femme, doit aussi parvenir à l'état de la maturité.
J'avais dit que cela ne se fait qu'en écoutant la parole. C'est pourquoi on a donné l'écriture de 2 Corinthiens chapitre 3. On doit regarder dans le miroir. Parce que là-bas, il y a la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela nous transforme. De gloire en gloire. Il n'y a rien qui peut transformer l'homme en dehors de la parole. Rien ne peut transformer l'homme pour voir Dieu en dehors de la parole. Seule la parole peut transformer les hommes. Si tu viens en Jésus-Christ, ta vie n'est pas transformée. C'est malheureux pour toi. C'est vraiment malheureux. Amen. Amen. Seule la parole peut nous transformer. C'est pourquoi on doit beaucoup écouter la parole. Et vouloir aussi écouter des choses qui font grandir dans la foi. C'est pourquoi nous parlons des choses conformes à la sainte doctrine. Paul avait dit à Timothée, il prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Il dit exhorte, réprend, censure à toute douceur. Il dit car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Ils auront la démangeaison d'écouter les choses agréables. Et en cela, ils se donneront une foule de docteurs. Mais il dit, mais toi, Timothée, il faut faire l'œuvre d'un évangéliste. Parce que Sambomalam, l'évangile, c'est ça la saine doctrine. Comme les gens ne supportent plus l'évangile, ne supportent plus la saine doctrine, toi ne fais pas comme eux. Toi remplis bien ton ministère. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Amen. Et c'est ce que Paul lui avait dit. Et c'est parmi les temps que nous vivons. Les temps où les gens ne supportent pas la parole de Dieu. Oui, parce que j'ai vu un temps pareil dans les Écritures. Où le peuple a dit au prophète, il dit prophète, nous des chimères. Ma cambo ya pamba des chimères. Les peuples étaient dans un état du péché. Mais il dit au prophète, prophétise-nous des chimères. Ésaïe chapitre 30, le verset 8. Jusqu'au verset 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table. Et grave-les dans un livre. Afin qu'elles subsistent dans les temps à venir.
éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs. Des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Et qui disent en voyant, ne voyez pas. Et au prophète, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez des chimères. C'est ça l'écriture. Lorsque le peuple est devenu rebelle, ils ont dit au prophète, ne nous prophétisez pas des vérités. Prophétise-nous des choses flatteuses. Prophétise-nous des chimères. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les enseignements qui flattent les gens. Les enseignements qui ne disent pas aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire pour plaire à Dieu. Là, c'est l'état des gens qui sont dans la rébellion contre le Seigneur. Dans l'ancienne alliance, on a dit ils ne veulent plus écouter la loi de l'Éternel. Et ici, Paul dit qu'ils ne supporteront pas la saine doctrine. Alors ils auront la démangeaison d'écouter les choses agréables. Ils vont se donner des foules de docteurs pour qu'ils puissent les flatter. Mais nous, on doit rester dans les choses conformes à la saine doctrine. Parce que c'est là qu'il y a la vie. Amen. C'est pourquoi on a pu parler la fois passée sur la maison de Dieu. La maison de Dieu. Où l'on doit garder la saine doctrine. Parce qu'on dit à Timothée, il faut savoir comment se conduire dans la maison de Dieu. Qui est la colonne et l'appui de la vérité. C'est là-bas qu'on trouve la vérité. J'avais dit que la maison de Dieu n'est pas une maison que toi ou une maison naturelle. Mais c'est le peuple de Dieu.